Eh bien c'est le moteur YouTube, bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Aujourd'hui, on va faire la quête monde, un club très fermé. Bon, c'est pas une quête monde où est-ce qu'il y a une quelconque difficulté à faire. C'est juste une quête que je compte juste vous relayer, excusez-moi. Mais il n'y a rien de spécial, c'est surtout pour ceux qui ne peuvent pas faire la quête ou qui la découvrent ou quoi. Mais je pense pas que quelqu'un aura besoin de vidéo pour la faire. Donc voilà, donc on va faire la quête, un club très fermé. Du coup, on va se retrouver ici au port de Lué, car nous allons avoir besoin d'aller au bateau là-bas. Donc on va y aller, moi j'ai pris Skara, comme ça je vais pouvoir voler et aller là-bas. Mais sinon vous pouvez prendre aussi, j'aurai un perso comme Ayaka ou Mona pour aller sur l'eau et aller vite, peut-être que ça peut être bien aussi. Du coup en même temps du passage je vais un peu vous dire comment ça se passe. En gros, pour faire la quête, en gros c'est la première fois que vous montez sur le bateau là. Et ben en fait vous allez monter, il y a quelqu'un qui va dire: cette personne est invitée à bord, point d'interrogation, elle paraît louche. Ensuite on va voir un petit écran noir écrit: vous embarquez à bord de la pagode irisée. Oui voilà. Et ensuite on va parler, j'ai envie de dire en tête à tête, mais on va parler, bah plutôt va nous parler Luoxia. Et du coup je vais vous lire tout ce qu'elle lui dit. Donc voici le dialogue avec Luoxia une fois montée sur la pagode. Donc si jamais ça vous intéresse pas, n'hésitez pas à avancer dans la vidéo pour la suite. Voilà une surprenante façon de nous honorer de votre présence. Après nous on dit, je voulais juste voir. Après Luoxia dit: ah, les personnes qui nous font l'honneur de leur visite ne viennent pas juste voir, si j'ose dire. Vous êtes à notre bord et vous jetez à la mer, mer serait faire montrer d'un certain manque de manière. Mais les règles de la pagode irisée sont strictes et je crains de ne pouvoir les modifier. J'aurai à m'expliquer à la direction, voyez-vous. Nous on dit: quelles règles? Ensuite Luoxia: c'est très simple, si vous voulez monter à bord, il faut d'abord que l'un de nos estimés clients vous invite. Seules les personnes aux mauvaises intentions choisissent de passer outre les règles en connaissance de cause. Ah, rassurez-vous, ce n'est point votre cas, vous ignorez tout ceci. Tous les clients que notre humble pagode accueille ont d'abord été invités. Ils peuvent à leur tour choisir de nous présenter l'une de leurs connaissances. Ainsi, si vous souhaitez avoir vous aussi droit d'entrée, la manière la plus indiquée est de demander à l'un de nos clients de bien vouloir vous écrire une lettre d'invitation. Après nous on a soit le choix, je vois, ou vous ne pouvez pas m'inviter, vous. Et du coup dans ce que j'ai vu, le gars il avait sélectionné je vois, et la dame Luoxia, elle a répondu: vous comprenez vite, je resterai ici à votre disposition en attendant. Voilà, donc ensuite on va faire ça et on va devoir parler à plein de gens dans la pagode. Je sais que elle, si on lui parle, du coup je vais vous le dire, hein, elle, si on lui parle, je sais qu'elle nous dit où est-ce à qui faut parler ensuite. Du coup, moi j'essaie de vous montrer le plus de dialogues possible, parce que en vrai c'est pas une quête ou ce que c'est forcément un guide, c'est plus pour vous montrer la quête et ce qu'il y a dedans. Donc j'essaie de vous montrer le plus de choses. Donc on va déjà parler à Cuillère. Parlons à Cuillère. Est-ce que Sieur Shaochi viendrait aujourd'hui? Vous me feriez une lettre d'invitation? Une lettre d'invitation? Toutes mes excuses, mais vous vous adressez à la mauvaise personne. Je ne suis que réceptionniste à bord, je ne peux pas vous aider. Mais comment avez-vous fait pour monter à bord sans lettre? En règle générale, ceux qui essaient se font raccompagner immédiatement. Vous aimeriez que l'un des employés de la pagode vous écrive une lettre de recommandation? Je crains que ce soit impossible. Personne n'oserait se porter garant d'un inconnu. Mais je peux vous aider à en toucher un mot au passager, si vous le souhaitez. Si vous me rendez un service en échange. Ok. Mon amant s'appelle Xiaoqi. Ouais, c'est chiant à dire. Nous nous sommes promis qu'à notre prochaine rencontre, il m'emmènera loin d'ici. Mais ça fait longtemps que j'attends et je n'ai toujours pas de ces nouvelles. Je dois rester à bord à cause de mon travail et je n'ai pas le temps de descendre au port. Vous m'aideriez à lui faire parvenir cette lettre? J'aimerais savoir ce qu'il devient. Pas de problème. Ah, merci! Je vous attendrai à bord. Ne perdez pas de temps. Voilà, donc nous allons nous rendre à Lué pour donner sa lettre à... c'est pas écrit là. À Xiaochi. Donc on va tomber ici. Voilà, on se trouve là. Oh, il papote avec Sissi. Oula, il se passe des choses là. Alors, Xiaochi. Sissi, je viens juste de rentrer de voyage et je n'ai qu'une envie.
me reposer. Parlons d'autre chose, d'accord? Mais je t'ai vu au port il y a quelques jours. J'étais descendu sur ordre du capitaine acheter quelques vivres. Je suis en congé exceptionnel cette fois-ci, et je te garantis que ça n'a pas été facile de convaincre le capitaine. Mais, Cheochi, tiens, c'est une lettre que Cuillère l'a écrite pour toi. Cuillère? On dirait un nom de femme. Oh là, lui, il a oublié, lui. C'est une fille, oui. Un des marins à bord, très doué pour l'écriture. Elle s'occupe de tous les messages écrits pour l'équipage. D'ailleurs, où c'était Cécile qui parlait. Pas la peine que je l'ouvre, je sais déjà que c'est qu'on me demande de remonter à bord. Mais si tu viens à peine d'arriver, il faut vraiment que tu répartes aussitôt. Si, arrête d'être si pressé et fais-moi un peu confiance. Bah, la pauvre. Toi, amène-leur cette lettre, que l'équipage me laisse quelques jours de libre. Ah, voilà. Ok, donc on retourne aller voir Cuillère. Voilà, donc nous sommes retournés sur le bateau, on va pouvoir parler à Cuillère. Alors, vous lui avez donné ma lettre? Voilà sa réponse. Merci, merci infiniment. Une lettre de Sieur Cheouchi. Je n'oublierai pas de demander pour la lettre d'invitation. Si jamais j'ai des nouvelles, je vous le dirai sans faute. Mais je doute que ça serve à quelque chose. Peu de passagers seraient disposés à se porter garant pour quelqu'un qui ne connaissent pas, vous savez. On a fait tout ça pour rien, non? Tout membre qui ne respecte pas les règles se voit congédié. Et il en va bien sûr de même pour les personnes pour lesquelles il s'est porté garant. Forcément. Mais ne désespérez pas, on peut toujours essayer. Je ferai mon possible. Je me demande bien ce qu'a pu écrire sur Chaochi. Je vais attendre ce soir pour l'ouvrir. Putain, elle nous a mené en bateau, elle, hein? Ouais, parce qu'on est sur un bateau. Voilà. Donc ensuite, nous allons parler à Liju. Ok. Du bon vin? Ah, oui, du bon vin. J'aurais besoin d'une invitation. Du bon vin, un bon poème, des gens bien. Il y en a tellement. Qu'est-ce que tu préfères, toi? Moi, je veux juste du bon vin. Ah, un verre et tout paraît limpide. Il n'entend rien de ce qu'on lui raconte. Allons demander à quelqu'un d'autre. Ça marche. On va parler à lui, là. À Luofeng. Oui, je ne crois pas vous avoir déjà vu à bord. Seriez-vous un nouveau parmi nous? Ah, rien d'étonnant à ce que vous ayez l'air de quelqu'un de remarquable. Vous me feriez une lettre d'invitation? Vous avez réussi à monter à bord sans lettre d'invitation? Voilà un bel exploit, et qui n'est point donné à tout le monde. Mais je crains de ne pouvoir vous être d'aucune aide. Malheureusement, une lettre d'invitation n'est pas chose à prendre à la légère. Je ne puis me porter garant pour quelqu'un dont j'ignore tout. J'espère que vous saurez me pardonner. Ok. On parle à Maxime. Maxime, c'est bien de faire comme ça. La pagode déguisée n'a pas volé sa réputation. Vous me feriez une lettre d'invitation? Une lettre d'invitation? Tu as réussi à monter sans lettre et tu es toujours à bord. Ce n'est pas souvent qu'on voit ça. Mais tu ferais mieux d'oublier. Aucune chance que je t'aide. J'ai bien l'intention de m'amuser encore un peu à bord et aucune envie qu'on me ramène sur terre, si tu me suis. Ok. Et l'avant-dernière personne, oncle Zao. Mais non! Non, mais non, mais non, tais-toi! Non, non, il s'appelle comment lui? Guandhong. La vie est si courte. Vous me feriez une lettre d'invitation? Vous voulez que je vous invite? Voilà qui sort de l'ordinaire. Quelqu'un montant à bord pour demander ensuite une lettre d'invitation. Je suis navré, mais je ne peux pas me porter garant pour un inconnu. Là donc maintenant, on va parler à la dernière personne et à la personne qui va nous aider. Chinje. Chinje. Aïe, ma gorge. Vous venez pour une représentation? Je suis navré, mais j'ai très mal à la gorge en ce moment et je ne peux pas chanter. Vous m'écrirez une lettre d'invitation? Une lettre d'invitation? Vous n'en avez pas? Je suis désolé, je ne peux pas vous aider. Je suis pas une habituée, je suis juste payée pour venir chanter. Une fois la représentation finie, je retourne au port. Mais ah, ma gorge, je doute pouvoir chanter un moment. Avant un moment. Comment je vais faire pour obtenir une lettre d'invitation? Vous avez l'intention de demander aux clients à bord? Je serai vous, je vous dirai. Merci, merci, merci. Les personnes que vous trouverez sur la pagode irisée ne sont pas du genre à se porter garant pour un inconnu.
Ça va peut-être vous paraître un peu peu sympathique de leur part, mais c'est normal après tout. Personne ne veut prendre le risque de se faire expulser. Ah, ils ont un morceau de jade. T'as un morceau de jade sur elle. Vous êtes venu passer du bon temps, vous ne ressemblez pas aux personnes que l'on voit habituellement à bord. Mais je comprends, vouloir ouvrir ses horizons, rencontrer de nouveaux visages. Je ne peux pas vous aider pour la lettre d'invitation, mais je peux. Mais j'ai peut-être un moyen de vous faire rester à bord. Mais je vous demanderai de faire quelque chose pour moi en retour. Ma gorge me fait de plus en plus mal. J'aurai besoin de 3 fleurs de chin-chin pour faire infuser du thé, mais je ne peux pas partir d'ici pour l'instant. Vous iriez me chercher 3 fleurs de chin-chin? YouTube, si jamais ça vous intéresse, un guide pour récupérer des fleurs de chin-chin qui est disponible sur la chaîne. J'en avais récupéré combien dans la vidéo? J'en avais récupéré, attendez 2 secondes. Attendez, il faut encore que je descende, car ça fait pas si longtemps, mais un petit temps quand même. J'avais. Bah, c'est loin ou quoi? J'en avais récupéré plus de 100. Oh, c'est pas où c'est. Fleurs. Je sais, on prend un peu de temps, mais de toute façon, c'est une vidéo non plus. 154, voilà. Si jamais ça vous intéresserait pour monter Ganyu, Xiao ou Shenhe, comme vous voulez, et bah la vidéo est disponible sur la chaîne. Voilà. Pas de problème. Ah, merci. Et je vous attendrai ici alors. Je vous ferai part de mon idée à votre retour. Voilà, donc nous avons les fleurs qu'elle nous demande. Oui, je les ai. Faites-moi voir. Oui, ça ira. Mon professeur avait pour l'habitude de les utiliser pour le mal de gorge. J'espère que ça marchera. Bien, à présent, à mon tour de vous venir en aide, j'ai déjà ajouté votre nom à la liste des membres de la troupe d'opéra. De cette manière, tant que nous serons à bord, vous pouvez vous aussi vous y trouver. Vous pourrez vous y trouver. Profitez-en pour trouver votre lettre d'invitation pendant que vous avez le temps. Pourquoi m'aider? Ah, comment répondre? Je vous ressemblais quand j'étais encore simple étudiante, toujours à chercher la moindre occasion de montrer au monde ce dont j'étais capable. Se débrouiller toujours toute seule n'est pas chose aisée. Si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à mon professeur. À présent que j'ai réussi, c'est à mon tour d'aider mon prochain. C'est sympa. Enfin, je parle trop. J'ai mentionné à Luoxia que je vous avais inscrit sur la liste des acteurs. Elle voudrait que vous passiez la voir. Soyez sans crainte, elle est au courant, ce ne sera pas un problème. Ok, donc Xua se trouve là-haut. Écoutez, on va faire ça comme ça. Maintenant, ouais, bon, ça c'est un peu le nomade cheat. Ah oui, il y a un coffre là, il y avait un coffre derrière, je vous le montre après aussi. Luoxia plutôt. Je vois que vous n'avez toujours pas trouvé votre lettre d'invitation. Il nous faut encore un peu de temps. Je ne mets nullement aucun en doute votre capacité à obtenir une lettre d'invitation, ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Et vos efforts ont payé, après tout. J'ai entendu parler de vos efforts à bord, et je sais que vous n'avez trouvé aucun membre disposé à vous aider, mais ce n'est pas tout ce que j'ai appris. Puis hier, demande discrètement aux employés quels sont nos clients les plus susceptibles d'apporter leur aide à votre enquête. Ah oui, du coup, c'est vrai que tout ce qu'on a fait, en vrai, elle a enregistré dans sa petite tête, on va dire. C'est cool. Quant à Chinji, elle a ajouté votre nom à la liste des membres de la troupe en précisant bien que vous aviez auditionné sur le tard et que je ne devrais pas vous renvoyer de la pagode. Vous ne trouvez pas cela intéressant? Tous nos riches clients vous ont tous envoyé promener sans une seconde d'hésitation, mais les gens du peuple vous ont, eux, apporté leur aide. Normal. Ah, je vous laisse tirer votre propre conclusion. Quant à la lettre d'invitation, ne vous en faites plus pour ça. Vous envoyez chercher votre lettre était une idée de notre directeur. Pour tout vous dire, il a lui-même écrit cette lettre pour vous dès le début. Cela fait déjà un moment que je l'ai eu en ma possession, mais ses instructions étaient de vous la donner une fois que vous aurez fini vos démarches. Vous êtes désormais libre de rester à bord comme il vous plaît. Qui est votre patron? Je suis sûr, c'est Jung. Son nom est Rouran. Ah bah, pas du tout. Peut-être l'avez-vous déjà rencontré? Bien, je vous ai dit ce que vous deviez savoir. Vous n'aurez plus besoin de choisir la voie aérienne pour rejoindre la pagode irisée dorénavant. Vous trouverez sur les quais un passeur nommé Pingai. C'est lui qui transporte les personnes souhaitant se rendre à bord ou revenir sur Terre. Il vous suffira de vous adresser à lui.
Il est à bord en ce moment. Si vous souhaitez revenir au port, allez le chercher. Ok, et voilà. Ah non! Allez voir Pingue. Bah attends, on va aller le voir. Hein. Attendez, juste avant, je vais vous montrer un coffre. Putain, c'est bizarre. Sa quête, on dirait qu'elle est. C'est bizarre d'avoir un point d'interrogation comme ça. Alors, regardez, juste ici, il y a un coffre aussi. Voilà, j'avais oublié de vous le dire tout à l'heure. Que je voulais garder pour vous, pour prendre avec vous. Donc, on parle à Pingue. Salut Pingue! Ah, c'est vous le nouvel invité? Si vous voulez retourner au port, dites-le moi et je vous emmène. Et je vous amène, excusez-moi. Je souhaite rester à bord. Pas de problème, faites-moi savoir quand vous serez prêt. Ok, non, on va revenir au port. Ok, faut qu'on mette. Je souhaite re rentrer au port. Très bien, par ici, s'il vous plaît. Petite téléportation. Et voilà. Donc, on a fini la quête, on a réussi, c'est-à-dire qu'elle n'est censée plus être là-dedans. Voilà, on a fini. Voilà, bon, la vidéo elle aura duré un petit temps parce que c'était quand même du full blabla. C'était pas si long que ça comme blabla, mais c'était quand même beaucoup de blabla. Parce qu'on a dû faire un petit tour là-bas pour donner une lettre à Chuo, Chuo, un truc comme ça, je sais plus son blaze. Du coup, là, si on lui reparle, du coup, ça nous ramène à la pagode. Mais par contre, on n'a pas de point de téléportation, non. Du coup, si jamais je vais retourner, faut que j'y pense. Ok. Bah du coup voilà YouTube, j'espère que cette petite vidéo, bon même si c'est pas une vidéo qui t'aurait été forcément utile, parce que c'est pas une quête où est-ce qu'il y a une certaine difficulté, car il faut juste parler aux gens, il n'y a pas de choses à chercher ou à trouver ou quoi, mais j'espère que si jamais vous n'avez pas, vous pouvez pas faire la quête pour quelconque raison, que ça vous aurait intéressé, ou je sais pas pour quelle autre raison, la vidéo vous aurait été utile, et bah n'hésitez pas à lâcher le petit like, ça m'aiderait beaucoup, ça ferait un plaisir. Lien de motivation en description, c'est ce que je fais tous mes lives, donc si jamais vous voulez me suivre un peu avec moi, je vous rassure vous, quoi que ce soit, n'hésitez pas, le lien est en description. Maintenant j'ai fait un Discord, je sais pas encore à quoi trop ça pourrait servir, mais je l'ai ouvert. Il y a un channel Genshin avec deux autres jeux aussi, mais pour l'instant il est ouvert si jamais vous voulez passer. Après, pour l'instant je sais pas trop jusqu'où le Discord va mener, mais on va, pour l'instant je vais le laisser là, on va voir si après comment on pourra l'améliorer et tout. Mais voilà, c'est là si jamais ça pourrait vous intéresser. Comme ça, j'aimais, genre, imaginez, au bout d'un moment, genre, on est 10, 20, rien que ça, c'est énorme. Et genre, on parle entre nous, si jamais vous avez des questions ou pas, bah, ça serait pas mal. Voilà. Donc, c'est tout. Et n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez là-dedans en commentaire. Et voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi par cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu ou qu'elle vous aura été utile. Et moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et ciao tout le monde. Plus plus.